Salut à tous, donc aujourd'hui je vais faire cette vidéo pour vous montrer l'installation de Parallel Desktop et le Windows 8. Donc si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai dû acheter le Windows pour pouvoir faire les factures et devis de mon entreprise. Donc c'est un logiciel de comptabilité qui tourne sur Windows, donc pas sur le Mac pour l'instant, malheureusement. Donc j'ai dû acheter le Parallel Desktop. Donc vous l'achetez si vous avez besoin, comme moi, de tourner sur Windows pour faire votre facture. Ben, vous faites installer Parallel Desktop, c'est un logiciel payant, donc vous payez directement sur leur site. Une fois que vous avez installé le Parallel Desktop, donc là je vais vous montrer comment il faut faire parce que moi je l'ai déjà tout configuré, j'ai déjà tout installé, mais je vais essayer de faire une simulation de comment ça se passe. Donc vous installez Parallel Desktop. Après, il faut bien sûr l'ouvrir. Donc là, ça va pas vous apparaître ça, mais il va vous apparaître ça. Donc vous faites nouveau. Voilà, c'est ça qui va vous apparaître. Donc une fois que vous êtes là, vous pouvez installer Windows en tout autre OS à partir d'un DVD ou d'un fichier image, donc un fichier ISO. Vous pouvez télécharger le Windows 8. Bah, en fait, si vous téléchargez Windows 8.1 prévu, vous allez installer, mais je pense maintenant qu'il est même plus valable. C'était jusqu'à fin de janvier, je crois. Mais je sais, je suis pas sûr, mais je sais que c'est une version non activée, donc c'est juste pour essayer. Après, vous pouvez migrer Windows à partir d'un PC, donc il faut connecter un PC au votre Mac et essayer de faire une copie de Windows sous votre Mac. Moi, personnellement, j'ai installé Windows à partir d'un DVD, donc j'ai installé, comme vous voyez là en haut, il y a le Windows 8 qui est dans ma Super Drive, donc externe bien sûr, parce que le Mac 27 pouces il n'a pas le Super Drive intégré. Donc vous faites continuer, et comme vous voyez, ça nous apparaît cette page là. Donc moi j'ai cliqué sur Windows 8 sur le CD, continuer, ils vont vous demander votre clé. Donc il faut mettre sa clé et mettre continuer. Après, je peux plus vous montrer comment ça se passe après, mais il y a une toute dernière page avant l'installation que ça vous propose d'installer Windows comme un Mac ou comme un Windows voilà comme un Windows comme un PC. En fait, si vous installez comme un Mac, vous allez mélanger vos fichiers Windows avec vos fichiers OS X. Et moi, franchement, je trouve pas ça très bien parce que après vous savez pas ce que c'est du Mac et ce qui est de votre Windows. Donc moi j'ai choisi comme un PC, donc ça sera tout à côté, tout séparé. Ce qui est à la Mac, c'est un Mac. Ce qui est PC, Windows, c'est Windows. Donc une fois que c'est installé, vous allez avoir cette page là. Après, vous pouvez configurer d'ouvrir en plein écran et tout, comme moi j'ai fait. Donc, vous appuyez ici pour démarrer. Et Windows 8, il va tout simplement démarrer et passer en plein écran. Voilà. Et votre Windows. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Franchement, je trouve que c'est très très bien. Parce que si vous avez un logiciel comme moi, que c'est Mediabat, et que vous avez besoin de Windows, moi j'aime pas personnellement Windows, mais après, voilà, chacun ses goûts. Je suis désolé, je suis en train d'écrire n'importe quoi. Voilà. Donc, vous voyez. Vous avez le Windows. Après, vous avez la page de bureau. Donc, vous avez tout exactement comme c'est le Windows, comme dans un PC, exactement pareil. Après, si vous voulez, vous pouvez quand même accéder à votre dock.
et à votre barre en haut. Donc si vous êtes sur le bureau, vous pouvez accéder à la barre du Mac. Après, pour passer de Windows à OS, c'est très simple. Vous faites tourner votre page comme ça. Voilà. Windows, macOS. Windows, macOS. Bon, bah, par rapport à Windows, c'est tout. Donc, franchement, c'est une installation que ça m'a bien plu. Ça marche très très bien. Bien sûr, le logiciel, il est pas donné. Il est payant. Ainsi que le Windows, bien sûr. Après, si vous téléchargez, vous mettez des clés, voilà, comme ça, piratées. Bon, bah, après, c'est à vous de choisir. Moi, personnellement, j'ai voulu acheter pour pas avoir de soucis. Voilà. Après, je vais profiter aussi pour vous montrer trois petits logiciels que je trouve magnifiques. Il y en a deux qui sont gratuits, il y en a un qui est payant. Donc le premier, c'est Memory Clean. C'est pour nettoyer la mémoire de votre iMac. Donc vous faites ouvrir. Donc là, il est ouvert. Vous faites, bon là j'ai 27 Go 39 disponible. Je vais nettoyer. En fait, ça va libérer de la mémoire inactive, active et acquise. Donc, il va vraiment libérer le maximum possible. Il va laisser juste ce qu'il a besoin pour faire tourner le OS X. Et voilà, ça fait nettoyer la mémoire. Moi, franchement, je trouve que c'est très bien. Je vous conseille de le faire en moins une fois par semaine. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, c'est un processus qui prend un petit peu de temps, comme vous voyez. Et voilà, je vais profiter pour vous parler de la personnalisation de mon iMac. Donc, c'est comme vous savez, si vous avez vu le déballage de mon iMac, c'est un iMac Quad-Core Intel i7 à 3,5 GHz avec Turbo Boost jusqu'à 3,9 GHz. La carte graphique, c'est la Nvidia GeForce, donc la 780, donc c'est la plus puissante pour iMac, à 4 Go de mémoire. Après, j'ai le disque dur, stockage flash SSD 1 Tera, donc le maximum possible. Et là, on revient au Memory Clean. Donc le Memory Clean, comme vous voyez, ça a dégagé la mémoire inactive, ça a dégagé la mémoire acquise et l'active. Donc là, en ce moment, j'ai gagné presque 1 giga, donc 28 Go et 34. Après, ça c'est un logiciel gratuit, vous pouvez télécharger sur App Store. Après, vous avez Duplicate Detective. En fait, ça va nettoyer les fichiers que vous avez en double dans votre Mac. On peut se dire, ouais, mais comment c'est possible? C'est possible. Donc là, vous faites sélectionner. Donc moi, je vais mettre complètement la totalité de mon disque dur. Donc Macintosh HD. On choisit et on fait Start. Et là, il y a à peu près 40 000 fichiers installés. Il va nettoyer, il va me dire combien de fichiers j'ai en double. Donc, je ne sais pas si j'en ai quelques-uns. Hier, j'ai nettoyé. Donc normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup. Hein. Donc voilà. Il n'y en a aucun. Donc ça veut dire qu'il est très très bien entretenu, mon iMac. Après, ça c'est un logiciel payé, bien sûr. Le Duplicate Detective, c'est payant. Donc ça coûte 2,49 $ ou 2,99 $, comme ça. Vous le téléchargez sur Apple Store. Sur App Store, excusez-moi. Et le troisième logiciel que je vous parle, je le trouve qu'il est très très bien, c'est Magican. Je crois que la plupart d'entre vous connaissez ce logiciel. En fait, c'est un logiciel anti-trojan, firewall. Donc, franchement, c'est un logiciel gratuit. Ça fonctionne comme un antivirus. Je le trouve très très bien. Ça va nettoyer tous les fichiers perdus, les fichiers qui ne servent à rien du tout dans votre Mac. Après, vous pouvez faire une analyse complète ou une analyse rapide. Donc, l'analyse complète, je vous conseille de faire une fois par mois. Et l'analyse rapide, bah, tous les jours avant d'éteindre votre iMac. Donc là, j'ai 322 K à nettoyer. Donc on va faire nettoyer.
et on refait l'analyse pour voir s'ils ont été effacés ou pas. Si jamais ils sont pas, ils n'ont pas été effacés, je vais vous montrer comment il faut faire pour les effacer. Donc voilà, là ça a effacé. Mais si jamais ça efface pas, sous le numéro que vous allez avoir, un méga effacé, comme ça, vous cliquez dessus et vous verrez à quel endroit ils sont placés. Vous cliquez dessus à nouveau et vous cochez les cases pour qu'ils soient vraiment supprimés. Et après, une fois que vous faites ça, voilà, il est nettoyé. Pour terminer, je vais faire le test de vitesse performance de mon iMac. Donc le logiciel, je suis sûr que vous le connaissez déjà. Donc ce logiciel s'appelle Black Magic Disk Speed Test. Vous pouvez le télécharger sur App Store. Donc on va lancer le test. Voilà, c'est parti. Et là, on est à 700, 701, 702. Des fois, ça me fiche 703, 704, ça dépend. Et là, 717. Voilà. Ça, c'est la vitesse écriture 701 et lecture 717. Voilà. C'est vraiment un iMac qui marche très très bien. Il est très très puissant. Il va très très vite. Je suis vraiment content de cet iMac, comme tous les produits Apple. Mais l'image, elle est magnifique. Les logiciels, ils sont très réactifs. Franchement, c'est un Mac qui coûte très très cher. C'est vrai, il est trop trop cher. Mais ça vaut le coup. Franchement, cet iMac, il vaut le coup. Si vous êtes un professionnel, vous avez besoin d'un ordinateur à long terme. Et bah, c'est un iMac comme ça qu'il faut prendre. Voilà, je pense que je vous ai montré les fichiers, les logiciels de nettoyage que je trouve assez indispensables. Et l'installation parallèle desktop, plus le Windows 8. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie à tous de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.